tranquillement. Et ben, on remercie les musiciens. Merci pour le moment merveilleux de la louange et de l'adoration. De toi-même, il y en a qui gagnent à côté d'Athènes, ils vont content tout à l'heure. Merci les enfants, Dieu bénisse de nouveau. Amen, amen, amen. Ok, madame Pessignan, moi nous sommes live. Ok, Dieu bénisse ceux qui peuvent connecter avec nous. Amen. La grâce de Dieu accompagne toi et la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui connectent, restez avec nous jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse, continue de persévérer et aussi m'invite de venir nous rejoindre à l'église. Ce sera notre désir de vous trouver. Que Dieu vous bénisse. Coucou spécial à tout ma nouveau, ma nouvelle et aussi à l'église. Que Dieu bénisse. Nous t'appelons grand amé pour ceux qui sont à la maison. Nous sommes à l'église aujourd'hui pour notre réunion de l'enseignement de la parole. Nous partons à tort de nous et nous pouvons ouvrir de la Bible dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 10. Le verset 44. Amen. Même ceux qui sont à la maison, mon courage, de papier, plume, la Bible. Amen. Et pourtant, dans sa dernière temps-là, parce que la Bible claire, il y a une faute de connaissance, le peuple lit. Amen. Le livre des Apôtres, le chapitre 10, le verset 44. On va faire la lecture de la parole, on va rendre grâce à Dieu. Et aussi, à la fin de notre message, on va prier pour ceux et qui visent. Amen. Et aussi, aujourd'hui, intimement, on va faire le récap de la semaine dernière et puis on va rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. Amen. Le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 44. Amen. Je l'ai dit ce matin. Amen. Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 44. On fait la lecture de la parole. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Toutes les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester à quelques jours. Le verset 45 important, quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Est-ce qu'on peut rendre grâce aujourd'hui? Amen. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, vous louez toi. Papa, vous les louez, exaltez de Saint-Nom. Père, personne, pas n'a pas un homme, Papa. Mais aujourd'hui, tu es nous, capables, Seigneur, portage de parole. Remplis ton peuple, ton Église, de ta puissance, de ta l'onction. Et nous demande de la force dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Nous te le disons. Amen. Amen. Un petit récapitulation de ce qui nous a fait la semaine dernière. Amen. Et la semaine dernière, tu parles un petit peu et tu as un sujet de gros controverse. Amen. Par rapport à ce qui nous peut causer, qui nous peut aborder. Et beaucoup de manquiquins dans le corps du Christ qui, quelque part, ont une pensée divisible sur cela. Mais nous finissons par aller, nous commençons en sein l'Église pour que l'Église soit capable de recevoir la connaissance sans obliger à personne et nous finissons prendre plusieurs exemples. Mais et ceux qui parlent finissent le message de semaine dernière qui est à la maison, sont capables et sur notre page de l'Église au Bougani, soit notre page de YouTube aussi au Bougani. Mais aujourd'hui, nous vous passons brièvement pour nous garder le sujet que nous verrons aller aujourd'hui. C'est un sujet que quelque part, nous dis pas la semaine dernière, quelque chose qui m'appelle le parler en langue. Amen. Beaucoup de monde ne pas croire là-dedans. Beaucoup de personnes ont une pensée qui, quelque part, une autre fois, est capable différent. Mais du tout, quelque part, nous disons, retourne à la source. Et la source, c'est la parole de Dieu. Et nous fait lire, nous puis trouver aussi que le livre des Actes des Apôtres, que Pierre, tu fais prêcher la parole de Dieu avec quelqu'un qui parcourt le Seigneur. Et quand il te partage, il te prêche la parole, le Saint-Esprit vient descendre et vient envahir la vie de ce mannequin. Amen. Et il y a beaucoup de manques d'exemples qu'il vient trouver aussi dans le livre des Apôtres, le chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Amen. Mais maintenant, quelque part, beaucoup capables d'avoir nouveau aussi au milieu de nous, dire frère, mais qui était ça de parler en langue? Mais il vient aussi, semaine dernière, expliquer que c'est Jésus-Christ qui vient mentionner dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 17. Il vient dire, en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des nouvelles langues. Amen. C'est Jésus-Christ qui vient dire, et nous vient trouver par la venue du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, nous vient aussi trouver que beaucoup de personnes viennent parler en langue. Amen. Et maintenant aussi, nous vient guetter la différence entre le don de diverses langues, semaine dernière, petit cause là, et aussi le don de parler en langue. Amen. Et pardon, le parler en langue.
Le don de parler de diverses langues, c'est un don. Mais le parler en langue, c'est tout ma chrétien qui vient à ça. J'ai causé ça bien profondément semaine dernière, que quelque part, il est accessible à tout ma chrétien. Dans la semaine à venir, nous vous parlons sur les dons du Saint-Esprit et nous vous élaborons profondément l'eau sans la chose. Mais je te donne une définition. Je t'excuse, moi, regarde un petit peu comment tu fais. Ok, là, là, t'as rien, nous venons avec un petit frein, mais je vais faire un récap. Donc, on a un récap, là. Semaine dernière, tu donnes une définition. C'est quoi le parler en langue? Ceux qui parlent écrit, vous êtes capables d'écrire. Le parler en langue, c'est un langage donné par Dieu, le Saint-Esprit. Il n'est pas être connu des hommes, mais ni par l'intelligence des hommes. C'est simplement un langage que quelque part parler à travers de l'homme vers Dieu. C'est un parler de notre cœur. Amen. Du moment qu'il ne parle de notre cœur, de Satan, Satan n'est pas capable de comprendre cet langage. Je veux dire, une question. Et votre pointeur là, pendant la semaine, le Saint-Esprit ne fait pas comprendre. Mais la question dit comme suit. Il est bon qu'il gagne ma question, nous garde répondre pour éclaircir ma question. Amen. Mais si c'est un langage des anges, comment Satan n'est qu'à patonner? Le parler en langue a été venu beaucoup plus après la chute de Satan. Un. Deuxième, le parler en langue, c'est quelque part quelqu'un qui est connecté avec Dieu, qui est capable de dire, comprendre. Amen. Et quelque part, Satan a été déconnecté bien longtemps avec Dieu. Amen. L'onction a été retirée, qui fait donc la gloire n'est pas qu'à connecter. Amen. Vous pensez qu'il y a une élaboration qu'il est capable de faire pour nous capable de classifier ce qu'il veut dans pour dire. Amen. Maintenant, quelque part, et on commence si elle est bien tirée de l'accélérateur. Amen. 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 C'est quoi le parler en langue? Amen. Donne-moi bien. Et le parler en langue, vous pouvez nous là quelque part, nous vous expliquer. C'est un cadeau. Tout est un cadeau. C'est un cadeau. Maintenant, il y en a deux, l'opinion. Donne-moi bien. Tu sais qui peut donner moi. Et même à nouveau qui est au milieu de nous, nous vous clarifier, pas de problème. Et il y en a deux, l'opinion. L'opinion, c'est que, moi, croire dans ce qui, ça gifle là, sa bénédiction là, Dieu donne moi. Deuxième question, c'est qu'il ne faut pas croire pour laisser aller. Mais à la fin du compte, quelqu'un qui vous croit, c'est qu'il a vu Dieu tout le temps, il est gagnant. Quelqu'un qui pas croit et quelque part il a un doute, il crée un problème. Moi, je vous explique ça clairement. Jésus-Christ vient de dire, celui qui recevoir le royaume de Dieu comme un enfant, il vous rentrer. Qui peut retenir comme un enfant? Quand un enfant vous dit rien, il ne pas pose question. Il essaie d'accepter, il croit. Même de guérison, de délivrance. Si la Bible dit que moi, vous guérir, vous y croyez. Par exemple, tu as un docteur là qui vous dit mais comment ça va arriver. Et moi, j'ai envie de juste downloader from heaven. Moi, j'ai envie de donner un témoignage d'un homme qui, quelque part, après trois jours, t'est ressuscité. Maintenant, tu viens faire l'autopsie sur l'écho. Quand vous faites l'autopsie sur l'écho, vous prenez ce ventre, vous mettez sur la tête, vous prenez sur la tête, vous mettez sur le ventre. C'est qu'il tout qui se rend dans les autres. Mais Dieu vient redonner cette personne la vie. Comment, pour moi, personnellement, comment il a réuni la vie avec tout ça là, c'est seulement un miracle de Dieu qui parle avec ça. C'est la même? Amen. C'est que quelque part, vous croyez, tu t'es croyant. Pas besoin de poser question, vous y croyez. Amen. Maintenant, je vous donne un élément et du parler en langue. Amen. Le parler en langue, c'est une prière parfaite. Ok, moi je dis une perfect prayer. Right? C'est une prière qui vit de moléquer vers mon Dieu. Tout ça la semaine dernière, nous fait. Amen. Le Saint-Esprit, il servit tellement bien, il y a un puzzle pour tout le monde. Et dans beaucoup dans la salle, nous sommes des ans recevoir le baptême du Saint-Esprit. À la fin, on va prier pour les personnes qui pensent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous attendons que le Saint-Esprit lui-même nous mouvre dans notre vie après l'explication qu'il nous fait aujourd'hui. Mais il est important de comprendre que le Saint-Esprit lui servit de code vocal. Il pousse un appui. Le livre de Romains chapitre 8, il dit comme cela, lui intercède à travers de nous comme un soupir inexprimable. Amen. C'est un cadeau du Saint-Esprit, c'est un cadeau qu'il donne. Nous dis un cadeau. Un cadeau ne va pas supplier pour gagner. Un cadeau, c'est un cadeau. Nous, Seigneur, vous prend. D'aller nous regretter et d'aller le deuxième partie de notre message après Ricard, comment vous recevrez. Amen. Pour m'aider à mettre tout dans la peau, côté de Pierre. Les cadeaux, les accessibles et les pour ma quelqu'un qui vraiment profondément désire vous gagner. Nous t'expliquer qu'il y a deux catégories. Un individu, il désire, il fait croire, il désire, mais il va abonner le plus sur les pieds. Mais il y a une autre catégorie d'individu que vraiment il désire Dieu. Et nous prenons lui par rapport à la Bible, mais il y a un individu comme il y a la Bible. Il y a la Bible, la semence qui se met quand il tombe, il y a pourtant. Quand il m'a dit, il dit comme cela, le livre de Deutéronome 28, il dit comme ça, si vous obéissez à la voix de l'Éternel, Dieu vous sens pour la vie, parce qu'il a tant de bénédictions qu'il vient de donner. Et là, quelqu'un est pour y aller, comme ça. Mais là, quelqu'un qui vous fouillez pour commencer à croire, pour commencer à vivre sur la vie de son promesse. Il y a pourtant, ce sont des poids
les deux mesures qui nous invitent. Vous êtes amen ce soir? Amen. Maintenant, et le fil guetté, la différence, c'est que nous puissions comprendre que là, et à travers de la connaissance qui nous gagne, la sagesse que Dieu vous accorde, nous, pour nous comprendre à qui Dieu, ça vous fait nous comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, qui nous vous fait? Nous faisons le récap, maintenant nous vous rentrons dans le message d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous vous donne la meilleure explication par le Saint-Esprit pour expliquer pour être capable d'avoir une connaissance par rapport au don qui nous appelle le parler en langue. Amen. Et nous disons quelque part, premier, nous disons croire, et il est important que quand nous vous croyons, ça qui vous détermine prochaine petite chose. Amen. Deux petites choses qui vont arriver aujourd'hui. Amen. Amen. Soit nous accepter quelque chose à nous commence à exercer, soit nous refuser le diabolique. Faire des mots pas trop propres. Non. Nous expliquer et nous prier que là, quelque part, ceux qui déjà est dans le don du Saint-Esprit, qui sont capables, le don de parler en langue, pardon, excuse-moi pour cela, le don de parler en langue exerce là. Amen. Maintenant, donne-moi bien, pour me rendre dans ce message-là, moi je explique, moi qui viens de partir là pour comprendre, c'est quoi le parler en langue? Le parler en langue, c'est une petite chose qui est le Saint-Esprit. Donne-moi bien. Nous désirons d'être place pour faire une visite. Suis-moi bien, je vous comprends. Nous rentrons dans sa place-là, la personne concernée, c'était drogué. Nous rentrons dans la place-là, nous faisons cause avec lui. Il dit, voulez recevoir le parler en langue. Nous pas connaissons nous. Nous avons dit, ok, mon frère, donc c'est vrai, accepter Jésus-Christ, devenir le pardon de ce péché. Nous prions pour lui. Quand nous prions pour lui, il dit, frère, mon papa recevoir. Nous dit, continue pour lui, développer, nous explique lui. Toutes les explications qu'il peut expliquer, nous finissons expliquer. Mais là, finalement, nous l'avons trouvé. Nous quittons lui, nous trouvons qu'il n'est pas fait recevoir, nous pas qu'à force personne, nous pas qu'à faire miracle. Mais nous expliquons lui, à un même moment, il n'est pas en fin de gagner. Nous n'allons, les lames là comprennent qu'il continue à obéir. Il est important de comprendre le Saint-Esprit, il vous pousse pour nous faire ça don-là, il vous pousse pour nous capables d'exercer ça, il faut dire premièrement ça l'éternel. Il est bien pour lui. Et là, dis-moi, moi, vous n'êtes pas nous entourer, dis-moi, qui quelquefois des frères, vous les recevez dans le péché. Millions de vous priez pour lui, non, il n'y a pas. Parce que regarde ça, la personne-là. L'histoire se déroule que longtemps le Saint-Esprit qui descend devant un juif. Là, l'histoire juste avant, Pierre, il peut faire une vision, il trouve un acte pareil, Dieu dit, tu es mort. Il dit, Seigneur, m'a fait impur. Là, il dit à Dieu, Dieu dit, comme cela, pas déclare impur, c'est qu'il moi me déclare pur. C'était pas par rapport à la nourriture, mais à ma âme. Là, il trouvait quand il commence à partager sa message, quand il termine sa message, avant de terminer le Saint-Esprit, il descend devant un démon qui passe supposément un juif. Là, il allait allé m'expliquer ça, il demande à le baptême. Ce qui m'a fait envie aujourd'hui, explique, c'est que Dieu connaît les quais. Si vous désirez, vous avez envie, mais la personne parfaite, mais si vous avez envie de coster avec Dieu, ou demande bon Dieu, Dieu vous donne lui. Vous êtes prêts? Amen. Maintenant, on va entrer. La plus grande question reste maintenant, mes frères, mais comment vous pouvez bien recevoir le Saint-Esprit? Et Dieu, ce qu'il vous causait là, c'est pendant des années de conversion. Amen. Moi, tu prends le baptême dans l'âge de 15 ans, moi, grandis, moi, trouvé, je m'exerce dans le ministère. Pas cause, moi, je prends baptême 15 ans, moi, je prends directeur ministère, non. Je commence à zéro, je grandis, je lave l'église, je nettoie l'église, je travaille, je nettoie les toilettes, je commence doucement, je commence pas visite, je fais praise and worship, je grandis, je commence pas prédicater, assister, pasteur, être pasteur sur la Bible. Tout ça là, je fais une vie, même. Amen. Parce que là, on est maintenant sur la Bible. Hein. Mais nous, on vit. Tant que je suis bien avec ma frère, elle va vivre comme on peut aller. Peut-être en plus, non, personne va nous mener à la maison, on est dans la maison, on peut la vivre. Mais il est important de comprendre que nous devons développer. Quand nous développer, c'est l'expérience pendant des années que nous compiler pour exode. Et aujourd'hui, nous prenons tout du soin. Moi, je cause beaucoup par la commencement. Pour voir ce qu'il y a, moi, tiens, l'idée de l'accélérateur. Maintenant, on a doucement pour tout le monde. Vous êtes à même? Je vais demander à mes bons enfants. Tiens, amen. Vous êtes bien conduit. Amen. Nous commençons maintenant. Retourne à l'ordre. On va pas presser. Ok. La première chose, c'est que comment, la plus grande question, comment vous pouvez recevoir lui? Beaucoup de monde dit, frère, je ne pas intéressé pour recevoir lui, c'est pour choix. Je prends le temps, je vais me redire encore, je prends le temps, je vais me mettre dans le blanc. Si vous ne pouvez pas de la clé là, vous êtes contenté ou de voir la voiture dans le garage ou content, personne ne va pouvoir gâcher. Vous avez le temps là, il y a deux ans. Mais là, il y a un petit monde qui vous gros, quelque part, depuis petit, comme ça. Quand maman, tu demandes toujours mon gâcher.
Bon, vous voyez qu'il y a dans mon fouiller tout en haut, c'est mon caractère. Mon content fouiller pour que quelqu'un ne soit pas d'accord qui me trouve là. Ça prend moi dans le prix, d'être mes enfants, je suis comme là. Amen. Mais dans ma petite chose, c'est que quelque part, nous sommes à le rôder, à le fouiller. Parce qu'il y a une petite chose qui est plus profonde. Il est parti pour plusieurs lignes, on gagne le tout cadeau, ou qu'on l'a clé, ou paye, c'est la clé, ou rentre là-dedans, ou qu'on, comment dire, on met à bosse, pour amener une frère de vie, faire des tours aussi. Parti pour plusieurs lignes. Pourquoi? Parce que nous trouvons là, nous exerçons là-dedans, nous gagnons bénédiction. Maintenant, nous pas oblige personne. Cette église n'a pas oblige personne. Nous enseignons profondément. Mais c'est à eux de prendre par conscience. Nous, nous permis de faire mon parcours là-dedans. Nous pas pour obliger. Moi, il y a beaucoup de mes camarades qui ne sont pas pour là-dedans. Mais l'important, c'est que c'est à eux de l'armée. Vous continuez cause avec eux. Vous priez que Dieu se dégage, je garde contre. Parce que c'est une bénédiction. Paul dit à vos parents, puisqu'il te dit moi. Et Paul fait les crêtes de Dieu de nous aussi. Parce qu'il a une puissance. Amen. C'est la même? Amen. On continue. Première petite chose, nous ouvrons la vie. Nous pouvons lire, nous ne pouvons pas parler vite. Nous pouvons la vie doucement, doucement, nous pouvons guetter qu'il a habité. Galates chapitre 3, le verset 2. Si y a quelqu'un dans la Bible qui dit des bouts, qui fait un problème, est-ce qu'il veut quand même sentir avec la Bible dans la présence? Oui. Et même si on vit là, c'est aussi un problème. Hein? Penser que vous voulez être travailler. Non, non, non. Mais vous trouvez tout et non. Cahier plumé, ressenti. Vous êtes capable d'écrire. On va lire tout doucement. On va prendre le temps. Amen. On va prendre le temps d'expliquer ça. Galates chapitre 3, le verset 2, 5 et 14. C'est qu'il y a le plus souligné. C'est qu'il y a le plus souligné. Amen. Pour commencer, le verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Qui lisait là? Je ne sais pas vous comprendre, vous pouvez lire. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Tenez-moi bien. Ce n'est pas pour les œuvres de la loi qu'il nous recevra. Pierre, attends-moi, suis-moi bien. Je vous comprends comme vous pouvez la mettre. C'est par la prédication de la foi. Ce qu'il vous fait faire là, vous pouvez prendre parole, vous pouvez prêcher avec la foi. Je vous recevrai l'esprit par la prédication de la foi. Pas pour non ni. Moi aussi, c'est un instrument, pas avec moi. Amen. Moi, je trouve beaucoup de monde aller dresser un trône, je ne sais pas qui était comme un homme de Dieu. Arrête de faire ça. Un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Ici, c'est quelqu'un qui choisit pour faire un travail. Mais il est important de comprendre qu'en Pierre, tu fais Paul, par la prédication de la foi, le Saint-Esprit descend dans la vie. Ça, c'est bien important. C'est qu'il veut expliquer. Amen. Deuxième, le deuxième, prédication de la foi. Que cette parole est capable la bonne semence sur la bonne terre. Le verset 5. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Encore. Quand on mentionne dès qu'il se dans la Bible, il y a-t-il de l'attention? Amen. L'idée, c'est parce que non, c'est par la prédication. Et quitte le verset 14 extrêmement important. Soulignez dans la Bible, je vous le dis. L'idée, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est pourquoi nous recevons. C'est par là? La foi. Maintenant, l'action du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, les choses du parler en langue, nous vient recevoir par la foi. Mais c'est quoi la foi? La foi, c'est que quelque part, il a existé. Moi, simplement, il n'a pas fait pas, moi, croire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Moi, croire, il a. C'est un même? Premier moment, premier quelque chose qui est extrêmement important, là, c'est par la foi. La foi, c'est quoi? Mon croix, il est un don, il est un cadeau. Le Saint-Esprit nous donne un cadeau, il a. Du moment où il a, comment vous êtes capable de gagner? C'est juste mon croix qui vous garde recevoir. Ou bien, ni pénitence, ni pour payer, ni rien. Pas oublier que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a un qui gagne, qui tu veux payer pour gagner le don à celui qui pourrait poser les mains. Et l'image de sorcier. Donne-moi ça, don-là. N'avec, galopé, n'avec, n'avec. Mais pourquoi? C'est juste un recevant. Ne te dis pas la foi. Voilà. Maintenant, c'est un piquet dans la salle, lui peine en le parler en langue, lui envie de recevoir. Il dit, c'est pas la foi.
Comment vous pouvez recevoir l'arrivée des gens? C'est une chose, Seigneur, pour recevoir. Il parle matin, quelqu'un peut recevoir, il vient recevoir une guérison. Qu'il fait? Seigneur, vous remercie toi pour guérison qui te finit de moi 2000 ans de cela. Mon exerce, mon croire, il a, mon ébranlé, mon applique ce promesse, mon prendre. Toutes les choses sont spirituelles. Premier, le deuxième, la foi. Amen. On y va doucement, doucement. Amen. Maintenant, première petite chose, c'est la foi. Nous devons croire et dit sorti que ça donne la divine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit finit donné. Tends-moi bien. Le Saint-Esprit, quand tu es dans la vie, il descend là. Tous ceux qui nous poursuivent pouvaient beaucoup se penser pour recevoir. Maintenant, quel est l'avantage qui m'a dans mon gain de parler avant? Te connecter direct avec Dieu. Tu es dans la prière parfaite. Quand tu parles en langue, tu fais des choses profondes. Qui la Bible, c'est comme cela. Les choses qui, le, comme l'Esprit, sont Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, lui, connectez-nous avec mon Dieu. C'est-à-dire quand vous parlez en langue, c'est tellement bien, c'est le plus grand cadeau. Moi, je dis ça, lit clair, pour tout le monde qui a compris. Le parler en langue, c'est un bombe atomique spirituelle. Amen. Vous êtes amen? Le plus meilleur homme que vous êtes capable de dire. La plus grande bénédiction du trouble là. Amen. On continue. La deuxième chose, c'est que je bien connais, deuxième, je bien connais qu'il y a cadeau ça. L'idée en là, et qui quelque part fait dans Zéfo à faire. Beaucoup de monde mal interprète ça, mais les soumis. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, il dit comme cela, they were tarry, c'est-à-dire qu'ils ont pu attendre que le Saint-Esprit descende. C'était le jour de la Pentecôte, parce que Jésus dit à eux, attendre des places pour envoyer mon esprit. De l'obéir à Dieu. C'était seulement ça l'action-là qui nous faisait attendre. Bon, prendre l'exemple de Pierre qui parle de la parole de Dieu, arrive à un certain moment, l'Ibésis dit, il va n'a pas besoin d'attendre le Saint-Esprit qui finit descendre aux autres. Oui. Je comprends, Dieu paye n'a pas attendre. Ce qui a soif fait, il peut recevoir. Dans le parcours de l'expérience qui devient de nous, nous pose plusieurs personnes dans la main, et dans qui quelqu'un qui gagne déçu. Et il y a une personne qui, quelque part, vit douter, je pas envie de recevoir. Et il y a quelqu'un qui n'a la case, qui développe lui, et je plie gagner encore. C'est-à-dire que tout dépend de la soif de sa prière. C'est amen? Amen. Oh! Amen. Vous avez réfléchi. Allez, ok. Deuxième, il y a un cadeau, ça. Il y a un cadeau, ça. Pas oublier, quand un dimanche vient de nous, un cadeau. Ou pas supplier, vous le donnez. Il prend un cadeau là, il se ramène, venir au jour de l'anniversaire, il dit, vous avez un cadeau, vous devez supplier, vous supplier, vous le donnez, ça va. Tu n'as pas les cadeaux, moi, donne-moi, Anita, donne-moi. À moi, là, dis-moi le côté, là, il y a un problème. Hein. Donne-moi, dis non, 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 il dit de nous-mêmes, ou qu'ils aient qu'on prend. L'action de donner a été déjà faite. L'action de prendre, c'est qu'il nous est faux. Donner, il des en a. Comment pour prendre, nous, tu nous finis dire, elle est claire. Bon, vous êtes prendre, pas la foi. Amen. Vous êtes amen? Amen. Maintenant, donne-moi bien, nous mangeons une importante. Dis-moi les cadeaux, ça. Troisième, extrêmement important. Suive-moi, nous allons doucement. Amen. Le diable pour lève tout manque de choses dans la vie d'un chrétien pour baisse-toi, Paul, en langue. Il vous fait tout, il vous fait tout. Je sais comprendre que le parler en langue, il connaît que quelque part, si quelqu'un exerce dans le parler en langue, il est capable d'avoir beaucoup de connexions spirituelles. Ok? Quand il vous gagne beaucoup de connexions spirituelles, lui, dans sa côté-là, il vous fait tout. Maintenant, tout monde qui gagne, qui passe par le parlement, qui gagne le don, je dois trouver comment ça, le diable, y agir. Je suis d'accord avec moi, il pense mettre tout monde pensée de te la vie. Quand tu commences cause ton premier mot, hé, hey, qui devait dire? La voilà claire. Amen? Tout monde qui gagne, qui pour expérience, le don, et tu parlais en langue, je t'en vais recevoir les. Je commence à tendre. Je commence à prêter quelque chose qui lui met dans tous les cas, c'est doute. Tu commences à causer. Ah, tu peux dire ça. Tu peux gagner un billet. Mais causer la clé dans les oreilles. Tu peux chier ce qui te veut dire. Je ne passe pas là-dedans. Moi, je bien passer là-dedans. Est-ce qu'à aujourd'hui, on pouvait prier de tout ça là-dedans? Mais qui fait le faire, là? Causer le plan gamme, on est déjà dans nos besoins. Pourquoi? Parce qu'il y a encore, il fait tout pour empêcher. Parce qu'il pour lui, il y a un gros boubou, ça. Il y a un boubou pour lui. Mais tandis que quand tu parles en langue, il confuse. Moi, le mot exact, speaking in tongues confuse the adversary.
Le parler en langue, il crée la confusion dans le corps de l'adversaire. Il va revenir. Vous comprenez moi? Suite à ça, je te connais que le diable fait tout pendant des siècles et des siècles. Pour prendre un exemple, lis aussi clair. Pourquoi, moi j'ai expliqué la semaine dernière, pourquoi la Bible est le livre qui se tout peut redétruire? Pourquoi quand on rentre dans la cible, on n'a pas redescendre? Pourquoi quand on rentre dans la Palestine, on n'a pas redescendre? Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu. Mais pourquoi le diable crée autant de distinctions par rapport au parler en langue dans le corps de Christ? Beaucoup de parcours. Pourtant, la Bible, il écrit. Maintenant, tu es encore fait discuter sur cela. Maintenant, encore pas fait d'abord. Maintenant, de Dieu peut dire ça. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ça. Nous sommes le Nouveau Testament. C'était seulement. Et la Matiquette qui dit tout ça dans l'affaire. Mais pourquoi il y a un sujet de controverse? Je viens de comprendre. Tout qui chose que le diable est controversé. Pareil, pour prendre l'exemple, je peux comprendre. Qui fait à sa croix où il y a la Bible à même moment où elle se mais la fin des où il y a au père. Pourquoi quand on arrive là pour prier ou pas capable? Pourquoi quand il y a pour lever pour le travail 5h du matin, vous voulez vite, pèse à qui vous levez? Mais quand vous pouvez mettre un alarme 4h du matin pour lever, il va passer. Vous virez, tournez, Seigneur, donne-moi la force pour me lever, donne-moi la force pour me lever. Pourquoi? Parce que le diable peut obstruire tout ça, ma petite chose. Servir bien mon intelligence aujourd'hui. Amen. Dieu vient dire qu'on vous donne l'intelligence à man juste pour se discerner dans quelque chose. Mais il y a autant de discerner. Pourquoi lui créer mal doute dans la tête de man du monde, lui vous faire tout pour tirer sa zone là avec toi? Parce qu'il connaît du moment que gagne ça. Donc on m'a dit qu'il y a l'épée de la main qui te garde détruire beaucoup de choses. Vous pouvez continuer? Amen. Maintenant, connecté avec ça, la quatrième fois, vous pouvez terminer un petit moment pour nous capables de passer un moment dans la prière. Le diable vous cause et tout penser et il vous dit toute qualité de chose. Il vous crée deux, il vous dit une mauvaise parole, ça, et qui quelque part, il vous dit toi comme cela, de mal recevoir. Tellement bien. Tout qui gagne quand vous finissez, pour prier, soit un nouveau, soit quelqu'un qui. L'Ibizer a une régénération de cela, vie de prière en le parlant en langue. Il est important de comprendre qu'à chaque fois que vous commencez à dire un mot, le diable vous crée une doute de la tête. Donc vous commencez à dire un mot, il ne faut pas les dire avec respect par le Saint-Esprit, il ne faut pas les dire aucun mot. Mais quand tu commences à prononcer quelque chose, il vous vient de la tête. Il vous dit d'abord, hé, ça mot-là, il n'est pas bon ça. Que veux dire ce qui te veut dire là? Pourquoi je me sens connu et il y a quelque chose qui Dieu vient de donner l'autorité? C'est tais-toi, Satan. Je me tiens compte, arrête-lui. Et comment pas arrête-lui? Arrête-lui de te penser. Du moment où libéraux vignes mettent deux, libéraux vignes tiens qu'il te donne bloqué de dire assez. Bon, vous continuez à faire ce qu'il m'a pour faire. Amen. Bon, prendre l'exemple, ça pourrait être Dieu. Moi, je vous garde l'idée, elle est un phénomène. Mais moi, je ne fais pas dans ma circonstance pour ça capable et Dieu pour être capable de comprendre. Moi, je trouve plusieurs personnes devant moi, je suis tombé sous la puissance du Saint-Esprit. Je viens recevoir le parler en langue et qu'elle puissance du Saint-Esprit. Mais Seigneur, c'est moi, jamais ça fait arriver moi personnellement dans ma vie. Comprends-moi bien. Les là, avec l'état de la comprendre, Dieu dit, vous permettez, me pose beaucoup de questions. Dieu dit à moi, me permettez de passer là-dedans, de garder enceinte des autres. Moi, je suis jeune. Beaucoup de fois, moi, j'arrive à un moment que, maintenant, vous dites, dans une réunion de jeunes, vous trouvez malade de prier. Quand vous trouvez malade de prier, vous trouvez malade de parler en langue, vous dites, envie, vous désirez ça. Je retourne à casa, je commence à parler. Je commence à mettre moi à bord. Mon premier parole était dans mon lazare. Amen. Je commence à parler. Quand je commence à parler, je gagne beaucoup l'attaque au niveau de mes pensées. Je finis, commence à dire, là, je ramasse mon esprit. Parole là, qui me dit clair dans ma tête, c'est qui devait faire la parole. Je ramasse, moi, mais ça, de toute façon, sauver l'expression, je ramasse la clé. Mais c'est moi, quand je commence à grandir, Dieu me dit, je finis recevoir. Là, on commence à exercer doucement. Oui, aujourd'hui, ne plus encore, on ne peut pas leur langue. Yahapata, shinelio, taman. Ok. Amen. Je bien comprends que Dieu agit dans chaque la vie de chaque démon différemment. Quand tu veux trouver ton camarade, tu es tombé sous l'onction du Saint-Esprit qui nous croit. Tu as bien connu que c'est pour lui, ça. Mais pour toi, si tu donnes la foi un peu plus solide, l'idée que simplement tu es pour tirer au fond de toi, l'éclair te n'est qu'amené de la bouche et de tirer. Amen. Je t'amène. Maintenant, tout mon ancien qui le recevra dans là, je lui dis oui. Beaucoup de fois, vous priez à soi, le diable, vous tenez la voix, vous dites c'est qui te veut. Je commence à comprendre maintenant.
Maintenant, quand les boutons sont là, voilà, je continue. Je connais. Et dans des fois, je n'entends pas du tout si quand je le chemin. Ou bien vous le dites, ou bien allez, soit vous pensez, vous faites un peu. Ou si vous virez, vous dites, soit vous m'allez, vous dites, René, pas le moins petit service. Ça, dit mon âme, il ne m'intéresse pas. Vous entendez? Je veux que moi, je vive dans la vie que quelque part, le diable t'intéresse. Mais je te regarde sur la croix. Il vous fait ce tamasali. Que tu chemins droit, voici. Laisse-y faire ce grimace. Où est le plan qui vous a accompli, continue. C'est-à-dire tout ma petite chose, c'est qu'il vous fait pas casser la tête avec lui. Ou mettre tout petite chose dans la vie et marcher. Marcher, si Dieu peut mettre une parole dans lesquelles vous venez là dans quelques minutes, ou vous appelez comment vous tirer. Amen. Maintenant, cinquième chose, c'est que beaucoup de fois, nous capables, et non, le mouvement du Saint-Esprit est capable de tomber sous l'onction. Et dans ma quiquenne qui est capable de pleurer sous l'onction, et dans ma quiquenne qui simplement de recevoir lui dans une lettre, à l'église de moi. Comment me connaît ça pour sortir? Suive-moi, je ne pas pour gagner lui dans une pensée. Je vous recevoir quelque chose qui vous génère au-dedans de vous. Et la parole qui vous dit pour commencer tellement bien quand vous faites commencer, il vous simplement deux, trois paroles. Les possibles, pareil quand vous faites B-A-B-A-B-A quand les enfants, ti-ti-ti-ti-ti. C'est un développement où vous commencez à développer. Mais il y a pourtant où commence à dire. Dire, donne-moi bien, il y a deux façons de dire. Il y a une première façon de dire avec nous. Et la deuxième façon de dire, c'est dire avec la foi. Le Dieu dit la foi. Les vous tentez l'écrire, les vous là, les vous quelque part, donne-moi bien, je commence bien à penser dans une tête qui est assez faux. Quand je commence à dire, dire avec la foi. Alors, qui vous a dit ça? La foi. N'est capable de paraître étrange. Définitivement, le parler en langue n'est pas étrange. Maintenant, il fait une recherche et maintenant, il dit comme cela. Un dimoun, quand il causait, maintenant, il met une connexion neurologique sur la tête. Et maintenant, il trouvait, il y a vraiment honte quand vous parlez ou communiquez avec un dimoun. Mais quand un dimoun commence à parler en langue, maintenant, il va détecter n'ayez de neurologique ni man honte qu'il vient envoyer. Parce que, pourquoi? Parce que la raison est simple. Quand vous parlez la langue, moi l'esprit ni moi l'intelligence pas comprendre. Se disent quelque part, Dieu servili dans une la bouche, mais tiens-lui vocal, le Saint-Esprit lui-même pour générer toute petite chose, les vous tirer. Mm-hmm. Laisse-lui aller. Moi, j'appelle ça en anglais, let it go. Mm-hmm. Les capables des mots, mais avec la foi, tiens-lui. Et je vous trouvais, il vous commence à développer et il vous commence à sortir. Et il vous commence à vivre la Bible. If, je connais ça. Si tu prends dans vos paroles une rivière d'eau vive pour sortir de tes seins, out of your belly will come rivers of living water. Ça veut dire que quelque part, vous avez une rivière d'eau vive qui vous sortit pour jaillir et pour aller. Et il y a une affaire que je vous comprends. Laisse-lui aller. Je ne pas vous comprendre. Vous finissez bien en avance. Je ne pas vous comprendre. Je pourrais connaître qui je peux dire, de ne pas vous connaître qui je peux dire. Mais je pourrais comprendre beaucoup de choses. Pour vous dire, je n'ai pas fait franc. L'efficacité du parler en langue, les trouver dans le monde physique. Je pense souvent à quelque chose imaginaire. Je pense si la Bible est réelle pour eux. Je pense souvent à profondeur. Je pense souvent à grand quelque chose. Je pense exerce dans ma quelque chose. Dieu pense parle à travers les autres, à travers de ma rêve, de ma songe. Tout ma petite chose, elle commence à enclencher parce que je vous commence vivre. Je vous commence éclater. La gloire bon Dieu qui est dans ton. Vous êtes la même? Oui. Mais tu commences à dire comme cela, le parler en langue, c'est la puissance. Le parler en langue, c'est la puissance. Moi, pas pour garder plus que cela. Moi, pas pour garder plus que cela. Mais ce qui me tient envie aujourd'hui, dis-je, donne-moi bien. À l'époque ancienne, c'est dans la même position des noms. Nous trouvons aussi le Saint-Esprit qui descend. Mais sa personne qui peut recevoir sa don-là, il est important de ne pas perdre. Il dit de même ne pas perdre. Laissez sortir comment il va vous sortir. Et je vous trouvais que cela vous génère avec le point de commencement, il vous commencez doucement, doucement. Et puis il va aller, il va grandir, il va grandir. Ce message, il est important de comprendre. Il va appartenir à tout le monde nouveau et tout le monde nouvel. Même si tu es à la maison, il est important aussi quelque part. Et par rapport à mon quiquen, qui m'a des enfants, même mon jeune, il est important de mettre ça en pratique. Et je vous trouve la gloire de l'Éternel. Amen. Personne ne m'a financé tout ça. Ne fit comprendre avec l'État, avec plusieurs années, ne fit comprendre la puissance du parler en langue. Et c'est un cadeau. Amen. Maintenant, moi, je vais vous dire une petite chose.
Pardonne-moi de le dire, mais il y a deux fois. C'est d'apprendre ici. Amen. Une enseignée. C'est un petit gars comme ça, mon colis. Beaucoup de gens qui viennent dire franc, mon parcours là-dedans. Nous ne sommes pas capables, sans dire, ni juger. Mais un seul petit gars qui est capable de juger seulement Dieu. Mais il y a pourtant aujourd'hui, mon père présente un dernier modèle de Mercedes. Vous pouvez nous appeler la porte est ouverte, c'est à eux pour conduire. Personne ne doit remercier des saints, mais vous comprenez pourquoi je c'est un petit peu spirituel. Amen. Maintenant, c'est à eux d'exercer, de rentrer et de quelque part manger le fruit. Il y a pourtant de manger les fruits spirituels qui Dieu donne. De vivre dans un moment spirituel. Et la deuxième fois, quand vous commencez à parler en langue, quand vous commencez à parler en langue, 11 heures, ou bien quand vous parlez en langue, pensez immédiatement sur la deuxième langue, parlez en langue, quand il arrive, d'un coup, finalement, 5h du matin. C'est ma petite chose qui veut expérimenter avec Dieu dans ma grande dimension. Mais il vient de laisser nous-mêmes aller. Amen. Aujourd'hui, je termine sur cela. Il reste un mystère pour beaucoup d'églises, il reste un mystère pour beaucoup de peuples, il reste un mystère pour beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, dans l'amour de l'Éternel, par la puissance du Saint-Esprit, nous sait éclaircir ça. Mais c'est moi, il est important de dire quelque chose. Vous connaissez, si vous dites, oh, comme ça, je fais un restaurant, je mange ce manger extra. Super. Je mange ça, ce goût, il y a un goût qui est vraiment super. Je mange ça, la chose, ça, c'était vraiment bon. Vous connaissez, au cas où, dites-moi dans vos lichés, ou pas pour un goût là. Parce que pourquoi? C'est où qui vous êtes assise dans ce restaurant là, prends au cuillère, au fousset, ou mangez, ou goûtez, comment il est bon. Et aujourd'hui, c'est ça, on termine sur cela. Dieu dit, venez écouter combien le Seigneur est. Amen. Vous pouvez faire l'expérience avec moi. Amen. De ta même. Je vais mettre debout aujourd'hui. Amen.